Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing Happy Home Designer, ACHHD si vous voulez, en raccourci. Donc aujourd'hui on va faire la maison de Risette qui me tourne le dos, c'est bien pour commencer, merci ma grande. Donc vision de la maison, idéale, préfère en discuter directement. Bon ça c'est comme toutes les trucs. Hein. Alors, je m'attends à un truc de malade. Allô, ici Risette, en quoi puis-je t'aider? Aurais-tu quelque chose à me vendre? Tes services? Oh, je vois. Dans ce cas, je suis contente que tu m'appelles. Mon Serge et moi envisageons justement de faire quelques travaux chez nous. Bien, Serge insiste pour nous faire lui-même... Ah, oh là, j'arrive pas à lire ce matin. Mais le pauvre est un peu fragile du dos en ce moment. Oh, pauvre choupi. Du coup, je préfère faire appel à des pros, vois-tu? Bref, le mieux c'est que je passe te voir à l'agence, alors j'arrive. Mais elle est trop chou, c'est pas possible. Elle est adorable. Alors, par contre, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu ton nom. Jordana, c'est ça. Oui, c'est tout à fait charmant avec Serge. C'est sûrement l'un des plus beaux noms que je connais. Elle est trop mignonne. Bien, passons à ce qui m'amène. Les finitions de notre maison manquent cruellement de professionnalisme. Bon, bah, carte blanche, hein, comme d'hab. Voilà. Aucun problème. J'accepte le défi. Bon, là, c'est un petit peu flou la qualité. Je vais essayer de régler ça, hein, vous inquiétez pas. Alors... Je vais régler ça dès qu'on va commencer les travaux de la maison. Alors, qu'on réfléchisse un peu à l'emplacement, vu que c'est quelque chose d'important quand même. Faut un coin, en fait, où il y ait des petits trucs roses, peut-être. Des arbres roses. Bah là, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus. Ah, je sais pas, hein. C'est un peu compliqué là. Là je sais pas si... Non attendez, c'est pas là que j'ai vu. Mince. Ah, ici c'est pas mal. Ça me paraît bien. En plus il n'y a pas les feuilles qui volent. Bon allez, adjuger pour ça. Il y a un peu de rose, c'est bien. Le plan de sol, bah, comme la dernière fois j'ai fait comme ça. Là je vais faire à l'horizontale. C'est décidé, voilà. On va faire la maison de Risette. Alors, carte blanche. Voilà, on commence vraiment à bien bosser là. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Ah bah, pas grand-chose. Il y a la photo de Risette. Alors, attendez que je vous montre ça. La photo de Risette, la photo de Serge et puis bouge avec Kéké. Voilà, c'est super intéressant. bon, donc je pense qu'on va faire une maison... rose et bleu. Donc là, on a déjà un petit aperçu. Elle nous a aidé pour la façade de la maison. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par la porte en fait, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange avec la porte. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose, mais sinon c'est pas grave. Moi, j'aime bien les petites maisons comme ça. Je vais la mettre dans ce sens-là. Le toit... Bah ouais, en rose, c'est pas mal. Mais ça me fait trop penser en fait à la maison de Ginette. J'avais fait avec la porte comme ça. Je vais voir quand même s'il n'y a pas autre chose. Sinon, on fait la porte bleue. Hein. Voilà, porte bleue. La clôture, je pense qu'on va laisser blanc parce que c'est neutre et puis ça fait pas trop charger. Je suis pas non plus une pro de la déco, mais voilà, faut pas trop charger, je pense, les couleurs. Bon, après, je verrai pour les emplacements. Donc là, il faut un chemin. Un tapis mignon. Alors je vais juste vous montrer ce que c'est. Voilà, je pense que je vais mettre ça. Mais il me semble quand même que j'avais fait ça pour Ginette, mais je suis pas sûre du tout. Alors attendez. Si je me mets là, là je suis au milieu. Si je fais comme ça, je vais voir quand même ce qu'il y a d'autre comme tapis. Parce que lui, il me paraît un peu bizarre en fait. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres trucs. C'est ça qui est dommage. Sinon, je peux essayer un tapis comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Attendez. Je peux même faire aller jusqu'au bout. Ça ferait une sorte d'allée. Ça peut être pas mal. Bon, ça change un peu. Hein. C'est pas non plus un truc de malade. Non, je vais laisser dans le bon sens. Ouais. Bon, disons que ça peut passer.
Après, dans les décorations, alors je vais aller dans les trucs extérieurs, si je me rappelle où c'est. Truc extérieur, c'est là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh oui, il y a des trucs roses. Oui, il y a les flamants roses. Je vois pas trop le rapport avec Lisette, mais au moins c'est rose. On va mettre ça comme ça. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, là, je suis dans le coin asiatique, donc c'est pas trop. Voilà. Oui, vous voyez pas l'écran, c'est normal, mais en fait, je galère là pour trouver ce que je veux. Je sais même pas ce que je veux au final, tellement c'est chaud. Est-ce que je. Non, je peux pas retoucher les trucs comme ça. Dommage. Parce qu'en fait, là, ça ferait plus maison de jouets et j'ai pas trop envie, en fait. Alors, bon. On va mettre des hortensias. Je vois que ça. Je vais faire. Oh, je vais essayer un truc, tenez. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Alors, hop. Après, en fait, je vais alterner. Je sais pas si vous voyez un peu le délire que je veux faire. Je vais alterner comme ça. Non, là. Comme ça. Voilà. Et après, je vais chercher des fleurs pour mettre entre les buissons. Alors, s'il y avait des fleurs roses, mais en fait, là, j'ai que des œillets roses. J'ai pas d'autres fleurs. C'est dommage. J'espère que ça va faire l'affaire. Je peux pas me rapprocher. Si, c'est beaucoup mieux. Est-ce que ça le fait? Ouais, disons que ça passe quand même. C'est pas très très moche. Ça va. Alors, comme ça. Voilà. Oh, au final, ça rend pas mal. Donc la maison, je sais pas, elle me paraît pas grande. Ou alors j'hallucine. Parce que si je fais comme ça, je sais pas si c'est mieux, hein. Je pense pas. On peut quand même accéder à la porte, mais avec difficulté. Parce que là, en fait, il fallait que ce soit en face, quoi. Bon, attendez, je vais voir s'il n'y a pas la plus grande maison, ce que ça donne. Alors, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Elle y est pas apparemment. Bizarre. Parce que, ouais, pour Ginette, je sais pas si j'avais pas fait celle-là. Alors, attendez. Non, Ginette, j'avais fait ça, je crois. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Bon, je vais faire ça comme ça. J'aime beaucoup cette maison, moi. Je sais pas vous, mais moi, je la kiffe. alors, après, il faut trouver les trucs intéressants parce que sinon, c'est galère. Je cherche des fois dans les trucs un peu pro. Des fois qu'il y a quelque chose. Les lumières, on verra ça après. Bon là, y a, apparemment, il n'y a rien au niveau des. Ouais. Peut-être dans les jeux. Attendez, je bouge parce que là, je suis mal installée, voilà. Bon, ça va être galère là. Est-ce que dans les objets, il y aurait quelque chose? Non plus. Oh, mais c'est dur en fait de faire sa maison. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Mais en fin de compte, c'est pas si simple. Je sais pas si je peux retoucher le tabouret. Oh oui! Rose pâle, rose fuchsia. Ok, bon. On laisse rose pâle, écoute. Hein. On va faire ça comme ça. Et puis. Mais en fait, je sais pas si je peux retoucher certains trucs. Ça fait bizarre. Le mélange, ouais, je sais pas. Ça en fait, ça fait pas bizarre, c'est que ça correspond pas vraiment au thème. C'est pas vraiment le thème de Risette, quoi. Là, ça donne quoi? Rose, violet, orange, jaune, blanc. Il n'y a pas bleu? Non, il n'y a pas bleu. En blanc, ça donne quoi? Bon, vas-y, je vais faire blanc. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Ça fait trop clair. Bon, vas-y, je vais laisser blanc. Et puis, crotte. Non, c'est pas celui-là que je voulais sortir. Je vais m'en sortir quand même. Blanc. On va retoucher. Voilà. Bon, alors, je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, comment je vais organiser ça? Comment? Je vais peut-être faire un petit coin là-bas. Un petit coin.
cocooning. Voilà. Au bord de l'eau. Enfin, au bord de l'eau, non, au bord de la falaise. Je vais peut-être laisser juste un espace quand même pour mettre des buissons derrière. Ou quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en fond? Alors, on a... Parce qu'après, là, je sais pas si ça va être... Non, c'est pas rose. Chaud, chaud, chaud. J'espère que ça va être rose. Oui. Oh, bien. Celui-là, je le mets là-bas. Voilà, pour avoir du rose, on est gâté, hein. Est-ce que ça peut... Ça fait pas trop charger. Attendez, je regarde. Non, là, faut que je supprime. Et que je mette... Non, c'est trop foncé. Voilà, je vais mettre celui-là. Au final, je pense que je vais tout faire de la même couleur. Allez, duplique. Voilà. Bon, c'est pas si moche, ça va. Et là, je vais faire comme ça. Ok. Du coup, l'arbre... On va faire une petite forêt de ce côté-là. Bon. On va en mettre un là aussi. Ouais, bon. Alors, je vais faire pause juste le temps de finir parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire l'intérieur et ça sera chaud. Alors voilà, j'ai mis, sans rire, j'ai dû mettre au moins 10 minutes pour trouver les idées pour l'aménagement de l'extérieur. Donc après, il y a des petits vides, je le conçois, mais je voulais pas non plus trop charger l'extérieur quoi, puisqu'apparemment on m'a dit que je chargeais trop, donc ouais, j'ai préféré faire comme ça. Donc que je vous explique un peu, je vais zoomer parce que comme ça on verrait mieux, je pense que je suis bête de pas l'avoir fait avant. Donc là du coup, vu que c'est une maison de couple, j'ai voulu, comme j'avais eu l'idée de mettre les flamants roses, j'ai mis le petit cœur, vu que des fois, je sais pas si vous savez, mais les têtes, voilà, les trucs comme ça des flamants roses, des fois ça fait un cœur, donc je me suis dit ça rentre dans le thème. Après, petit arrosoir, je sais pas pourquoi, avec les fleurs là pour faire petit jardin quoi, cosy cosy. Du coup là j'ai un peu modifié le truc, ça me paraît plutôt intéressant. Donc du coup j'ai mis une petite serre, voilà, vu que je sais pas, je pense que comme j'ai fait un coin jardin, faut faire un petit semblant aussi là. Une petite table bleue vu qu'on va pas faire que du rose. Et là en fait chacun a sa chaise, vous voyez, là j'ai fait bleu et là il y a rose avec un petit, on va dire une petite glace à la fraise, voilà. Ça fait un petit mix. Donc là, je suis sur la chaise de Risette et là, la chaise de Serge. C'est compliqué à dire. Voilà. Bon, après, pour... ouais, je pense que ça suffira. Voilà. On va entamer l'intérieur. Alors, l'intérieur. Il n'y a pas forcément... Oui, comme c'est feuilles blanches, enfin, carte blanche, il n'y a pas forcément de meubles à mettre automatiquement. Je vais mettre ça, vu que ça correspond plutôt au thème. Enfin, je pense que ça va bien avec Risette. Après, il faudrait un sol bleu, mais je pense pas que j'ai ça en stock. Non. Apparemment, j'ai que du foncé. J'ai pas de... Ça ira pas. Au pire, il y a ça. Ça peut passer. On verra ce que ça donne au final, hein. Après, dans les fenêtres, je vais mettre du bleu ciel. Je vais mettre... Non, j'ai que ça en... Ouais, je vais mettre ça. En ambiance, non. J'ai pas forcément d'ambiance particulière. Voilà. Pour une fois, on va mettre aucune ambiance. Alors, pour les meubles. Donc, il faut déjà un petit coin dodo pour les tourtereaux. Sinon, c'est pas drôle. Quel lit on va leur prendre? Ça, c'est la grande question. Quel lit? Parce que là, en fait, je sais pas combien de lits, mais je sais pas... parce que l'hiver, je pense que tu peux retoucher qu'en vert. Émeraude, vert, ouais, tu peux retoucher qu'en vert, donc ça sert à rien. Parce que, en fait, je voulais faire un lit simple, collé avec un autre lit simple pour faire genre lit double. Mais le truc, c'est que je sais pas lequel peut être touché. À part le lit de base, quoi. J'ai pas trop envie de le mettre, quoi. Sinon, je fais à l'arrache. Parce que sinon, il y a le lit rococo, mais c'est pas... C'est trop chicose, quoi. Je sais pas, ça irait pas. C'est un univers plutôt mignon, les deux, là. Donc, je préfère pas le mettre.
Sinon, il y a celui-là. Rayure. Je peux faire un... Ah oui! Bon, écoutez, on va essayer ça. Ça fait un truc original. Voilà. On le met là pour le moment parce que je sais pas trop où l'installer. Ensuite, là, j'ai une table basse pastel. On va essayer de mettre un peu plus de bleu parce que déjà que le mur est rose, faut mettre un peu de bleu là. Il n'y a pas assez de bleu. Ensuite, le sol, je sais pas, le tapis carnaval, ça va peut-être rendre. C'est pas terrible. Hein. Même le lit, là, je suis pas convaincue au final. Qu'est-ce que j'ai après en. Dans les armoires ou les buffets, j'ai. j'ai pas grand-chose non plus. C'est compliqué en fait. C'est grave compliqué. Commode bleue. Je sais pas quelle couleur je peux. Émeraude, bleu foncé, bleu clair. Bleu clair, oui. Bon, ça va passer. Donc attendez, je vais faire au pire. Je vais mettre le lit. Non, faut pas coller. Ah, c'est chaud là. C'est chaud, chaud, chaud. Comment je peux faire? Parce qu'en fait, je voulais pas vraiment coller les trucs. Bon, je suis obligée de le mettre dans un coin, quoi. C'est pas forcément ce que je voulais au début. Bon, bah, je vais faire comme ça. Avec une table là. Je vais faire. Alors, qu'est-ce que j'avais vu au début? Je sais même plus. Alors, attendez, je vais juste chercher parce que je sais plus où je l'ai foutu. Apparemment, il est pas là non plus. Mais je l'ai mis où? Alors, attendez, ça doit être dans les objets spéciaux alors. Je pense. Ah, il est là, ouais. Super. Alors. Là, je vais retoucher. Alors, je vais faire bleu. Par contre, je sais pas trop où je vais mettre ça. Je vais réfléchir. Déjà, il faut que j'en fasse deux, sinon c'est pas drôle. Bleu et apparemment, il n'y a que ça. Donc, bah, il n'y en a qu'un. Je vais faire. Bah, je vais le mettre là. Je vois que ça. Je vais le mettre là. Il me faut un peu de rose là. Alors, étant donné que j'ai vu dans un chercheuse de rêve que je pouvais retoucher ça, il n'y a pas en rose. Merci, c'est très utile. Donc ça ne sert à rien. C'est maison rose et bleu, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'objets qui peuvent être retouchés. Comment faire? Alors, la lampe glace, je crois qu'il y a fraise. Fraise, oui. Alors je vais machiner là, voilà. Ça fait un semblant de rose, même si c'est pas forcément dans le thème de base. Après, j'ai quoi? Il faut de la nourriture. Oui, il faut de la nourriture. Alors normalement, je sais pas, je mets des pop-corn. Non, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux mettre pour eux? Oh bah tiens, un cœur choco que tu peux même pas retoucher, mais au moins on voit qu'ils sont amoureux quand même. Et je vais mettre genre alors une tarte, mais je pense qu'on peut retoucher les tartes. Mais je sais pas s'il y a non. Alors je vais la retoucher en blanc. Voilà, oh, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Faut plutôt que je mette une plante en fait sur le. Alors les lampes déjà, faut que je trouve. Alors oui, là il y avait pas mal de choses intéressantes. Les trophées, non, il n'y a pas besoin. Par contre, étant donné qu'elle retouche les objets. Voilà, j'ai terminé l'intérieur. Donc je vais juste vous faire un petit tour rapide avant de clore cette vidéo. Donc en fait j'ai alterné un petit peu partout le rose et le bleu comme vous pouvez le constater.
Donc là, nous avons le petit siège avec le coussin bleu parce que je n'ai pas souvenir que je l'ai pas trouvé en rose, je crois. Donc là, après la glace à la fraise, on avait vu le lit, hop là, avec un petit album de kéké couleur bleue. Ensuite, là, j'ai voulu faire. Donc attendez, juste, je pense que je vais décaler tout ça d'un cran pour qu'on puisse passer. Voilà. Donc j'ai mis le coin de Risette et le coin de Serge. Après là, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu mettre le téléphone parce que je le trouvais mignon. Et puis là, après, je savais pas quoi mettre, donc j'ai mis un canapé moderne retouché en bleu. Et là, après, j'ai alterné les coussins, vous voyez, bleu, rose, avec la table pastel. Et en fin de compte, j'ai rien remis dessus. Et là, j'ai mis un abat-jour rose, donc je l'ai pas retouché. Voilà. Donc, j'ai terminé. Alors, je vais vous laisser avec le petit compte rendu, voilà, la petite cinématique, en espérant que la construction, voilà, vous aura fait plaisir et vous aura plu. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo et je vous dis gros bisous! Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon activité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt! Ah, ne clique pas sur les boutons, ce sont des faux.